Bonjour et bonsoir à tous internautes. Ça dépend qui est à côté. Je connais quelqu'un qui a capté nous en Haïti, quelqu'un qui a capté nous en Europe, quelqu'un qui est en Amérique latine et même si vous comprenez, quelqu'un qui est juste en Asie. Donc, nous disons bonsoir bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Y compris, nous saluons tous les Haïtiens qui ont écouté nous sur le réseau en Haïti et dans les radios qui ont transmettre l'émission ça et la télévision qui ont transmettre. Je dis à nous penser qu'elle est très important et dans le cadre d'une émission pour nous faire vulgarisation sur le dossier constitution. Donc, on est que constitution, projet constitution, ce n'est pas aujourd'hui à parler ça en Haïti. Et il y a plusieurs décennies, depuis le vote de la constitution de 1987, et quelques années après, il y a plusieurs voix qui ont exprimé, qui ont montré anomalie qui est dans le texte pour te permettre pays à gouverner. Et il y a plusieurs rapports qui ont fait avec l'argent de l'État haïtien, c'est-à-dire l'argent du contribuable haïtien. Il y a l'argent tout qui est dépensé avec les gens de la société civile, les partis politiques et les associations des jeunes, les associations de quartier, tu as gagné un paquet brasser l'idée qui fait ce dossier constitution. Nous connaissons plusieurs tentatives de réforme qui ont essayé de faire, qui n'ont pas arrivé toutes. Il y a là-dedans qui était plus ou moins arrivé, mais nous connaissons qui ça a débat en termes de nos respect des procédures, en termes de respect et des principes, etc. Nous connaissons un peu le monde dans le pays qui toujours dit que la Constitution n'a pas déjà amendé. Il se trouve que toujours un texte était publié dans le journal officiel des moniteurs qui était gagné. Et le président d'alors, le président Préval, qui était publié dans le moniteur, ça nous a donné la loi constitutionnelle de 2011. Maintenant, un pile débat fait sous constitution. Écoutez, tout le monde qui arrivait à un citoyen autre qui pour une fonction dans l'État, que ce soit un haut fonctionnaire nommé pour un arrêté présidentiel, que ce soit son ministre, que ce soit le président de la République ou bien une autorité élue qui joue un mandat à peuple, dans le travail au quotidien, il rend compte le texte constitutionnel, il y a un problème, la donne. Soit il estime qu'il n'y a pas suffisamment de pouvoir, soit il estime que le pouvoir est mal redistribué. Donc là, vient faire permettre dans l'État un paquet de problèmes en termes de gouvernance globale de la nation. Et c'est dans ce sens-là, le président de la République, Jovenel Moïse, depuis dans l'élection, il était dans la discussion de faire un paquet de monde dans la société, même dans le élu, il rend compte que c'est un problème dans la question de la Constitution. C'est pourquoi que l'ité mettait dans ce premier temps, il y a un gros rumble les États généraux sectoriels de la nation, qui ont gagné plusieurs personnalités là-dedans, des personnalités politiques, des personnalités de la société civile, qui ont pris un bâton pour les réunions dans tout le pays, à rencontrer les associations des jeunes, associations paysannes, et des personnalités de la société civile, des groupes organisés et des partis politiques. Tu as un gros rapport qui était fait, qui était bâillé les États généraux sectoriels de la nation, un gros rapport qui est sorti. Dans le rapport, ça a été un paquet d'idées qui ont été brassées là-dedans et qui ont été des solutions qui ont été proposées. En termes de là-dedans, c'était où comment décabrement et ça m'a donné la loi mère du pays, c'est-à-dire moment loi pays à constitution. Mais à côté de ça, il y a un paquet de documents qui ont été faits. Par exemple, le président Préval, nous avons fait un rapport avec le professeur Claude Moïse et Carl Rector. Nous connaissons le Parlement lui-même. Tu as gagné au moins deux commissions qui t'ont travaillé sur la question constitutionnelle là, dans la dernière législature. Là. Nous voulons parler de commissions qui t'ont dirigé par le président Thierry Tardieu, qui est le président de la commission, et le sénateur Ketley Augustin. Même dans le palais, tu as un comité qui t'a travaillé. Moi-même, président, tu as un mandat pour me travailler, rencontrer un paquet de personnalités dans le pays. Là, et sur la question constitution pour nous dire. Moi-même, pendant plus que trois ans, je prends un bâton pèlerin, tout. Je rencontre un paquet de personnalités dans le pays. Des personnalités politique, des hommes religieux et des hommes des organisations populaires, etc. Toute idée était venue non seul bagaille dans ce premier temps, il était question pour nous faire une réforme constitutionnelle à travers la voie parlementaire. Mais nous avons constaté qu'il passé et le Parlement est venu arriver, pas de cas de travail dans la fin de la législature, le document ça n'a pas de cas arrivé pour nous devenir une synthèse. C'était une méthodologie qui était claire, qui était choisie. C'est vrai que le député de l'État a fait tout et rien. Et sénateur Kedley également, beaucoup de parler, il faut pas qu'il y ait de faire des questions pour nous déjeuner un document de synthèse pour te conseiller le document que tu as devant le Parlement. Mais nous connaissons ça qui est arrivé, y compris le document de commission présidée par Thierry Tardieu. Il n'a pas de l'aval du Parlement. Autrement dit, le document, c'était un document de travail qui n'a pas été sanctionné par l'Assemblée de la Chambre des députés. Et document qui était préparé par le sénateur Ketley non plus. Y compris même document, moi-même, le président était bon pour faire consulter là. C'est vrai que je vais mettre le document au président, mais il était question que le président de la République a rencontré le président des deux chambres pour te rendre de synthèse. Ça n'a pas été fait. Maintenant, qu'on y a,
nous venons jouer le Parlement vient dysfonctionnel. Donc, il y a pile personnalité dans le pays qui pensait que nous avons raté plusieurs mouvements en Haïti. Nous avons raté les pour nous faire des mouvements stratégiques pour nous orienter le pays vers Samda et Lombard qui est capital fondamental pour tout petit peuple. Que ce soit à côté, il y a vivre. Il y a vivre dans la diaspora, qui a vivre en Haïti, qui a vivre dans la section communale, etc. Pour comment que nous te cabouer comment ensemble. Parce qu'on a une constitution, c'est affaire de tout nos citoyens, quel soit côté, de vous, c'est haïtien ou à l'étranger, ou dans la diaspora, ou dans la section communale, ou dans le quartier populaire, ou dans la ville, ou c'est gauche à bras, quel soit côté, c'est question par. La question constitution, c'est affaire fondamentale pour lui. Donc, c'est dans ce sens-là que le président de la République, par responsabilité par rapport à l'histoire, parce qu'il faut expérience, lui, c'est que constitution, avant lui-même, t'es grand chef d'État qui t'a dit, constitution 87, là, sont source d'instabilité. Alors, lui-même, il dit que constitution, donc, au président, même l'on a une bonne volonté ou pas qu'à diriger le pays, parce que la base fondamentale de la gouvernance et de la société lui fait problème. Ça, nous avons les textes constitutionnels là. C'est pour ça, pour éviter problème, lui mettez avec consultation, bien sûr, tenez compte d'ensemble des rapports qui fait sur la constitution depuis au moins une quinzaine d'années. Vous mettez un comité consultatif indépendant qui a gagné les mêmes mentions. Et ma mission pour aller chita, tendre un paquet de monde, lui également ça fait, parce que nous ne pouvons pas recommencer à zéro, parce que y a un paquet de travail qui fait déjà que l'État haïtien dépensé comme lui pour le faire. Donc, dans ce sens-là, il y a un décret qui était publié dans le journal officiel Le Moniteur le 28 octobre, qui mettait un comité pour aller, il y a un mandat pour le travail sur le projet constitution, ou avant-projet. Il y a un mandat, c'était mandat, c'est préserver les acquis démocratique du peuple haïtien. Donc on est que grand paquet effort qui fait, grand paquet monde qui mourit pour question démocratie dans le pays. Même là nous on est li faible, mais mission pas nous, génération ça, génération qui a venu, c'est chaque jour davantage pour nous faire pour nous renforcer base démocratie dans le pays pour pays à caler de l'avant. Donc on est sur expérience qui longue parce que nous pas de tradition ça dans culture politique pas nous. Nous avons une culture politique depuis plus que 200 ans qui dominait par la violence jusqu'à aujourd'hui. Ça me donne l'élément, ça toujours constitue un élément de la culture politique en Haïti. Nous devons faire tout effort possible pour nous retirer, pour mettre ça à l'écart, pour nous épouser les valeurs démocratiques et républicaines que c'est inscrit depuis des années dans l'aide fondamentale dans le pays. Donc, il y a un mandat, un autre mandat que la commission a gagné, c'était garantir également les droits fondamentaux et de la personne humaine. Parce que nous connaissons que et depuis quelques années, depuis Haïti finissait le traité et la Convention universelle des droits de l'homme en 1848, et nous inscrit ça dans l'être capital pays, dans le moment loi pays, comme un élément référentiel de la vie du citoyen. Le citoyen et l'État, la rencontre de la nation et de l'État, la rencontre des citoyens avec l'autorité. Donc, les socles des droits fondamentaux sont des choses qui sont fondamentales. Donc, nous avons arrêté ça, nous avons décret ça, il était demandé pour que le comité prenne toutes dispositions nécessaires pour non seulement consolider les droits fondamentaux, mais pour renforcer. Il y a un autre mandat que le comité a gagné, c'est également renforcer les mécanismes de l'état de droit. Nous connaissons que c'est une grande bataille qui a fait dans le pays pour nous gagner l'état de droit. Nous connaissons qu'il y a un pile de monde dans la société qui gagne volonté. Mais également, il y a des freins. Freins, souvent, c'est des freins institutionnels, c'est des freins culturels. Donc, le président de la République, Jovenel Moïse, a demandé dans le décret ça pour le comité consultatif qui travaille sur le projet de constitution pour renforcer les mécanismes de l'état de droit. Il y a un autre élément qui te gagne comme mandat, comité a te gagne comme mandat, c'était rationaliser, rééquilibrer les pouvoirs de l'État. Ah oui, ça sont gros bagailles liés. Nous connaissons que le texte constitution 87 là, pouvoir être déséquilibré. Nous avons essayé de sortir d'une dictature. Le texte, en fait, la philosophie, et l'objectif principal du texte, c'était empêcher le retour de la dictature. Mais nous connaissons tout, pouvoir être déséquilibré. Or, sous besoin d'un pays pour le marché très bien, il faut que le pouvoir soit séparé, certes, mais il faut qu'il soit équilibré. Donc, de temps que tu as un déséquilibre caractérisé dans le pouvoir de l'État, eh bien, le président a demandé au comité pour le travail, pour le voir comment que le cap et rééquilibrer les pouvoirs de l'État. Également, le comité a eu un mandat pour réaffirmer le caractère démocratique et républicain de l'État. Ah oui, ça c'est fondamental. Nous sommes une république, il y a des citoyens qui ont un droit. Nous n'avons pas un pays en Haïti, nous n'avons pas un roi. Ok, donc c'est le citoyen qui est le cœur de l'action politique, le pivot de l'action politique, c'est le citoyen. Et bien le président Jovenel Moïse est mandé comité à ça. Et puis la démocratie, la participation des citoyens dans toute affaire qui intéressait l'État de la vie collective. Donc ça, c'était une mission que j'ai fait le comité. Également, harmoniser mécanismes collectivités territoriales. Nous connaissons un édifice
institutionnel des collectivités territoriales qui n'a pas payé depuis des années. Et bon, non, malin, ils ont élu quelques mouns là-dedans, mais tout le système n'a pas mis en place. Mais il y a plusieurs mouns qui expliquent que les pas de privé mettre en place tout parce que le mécanisme n'a pas rationalisé. Donc, il y a une mission tout qui te demandé pour que pour comité consultatif indépendant rationaliser collectivité territoriale. Et prendre en compte, effectivement, puisque la société a évolué, et gagné des mutations, des changements, et souvent brusques qui viennent dans la société, et bien, c'est essayer tout est de prendre en compte des évolutions sociologiques, institutionnelles pays et sur le plan économique, pour nous permettre une constitution. Parce que nous avons une constitution, c'est la loi des lois. Il y a un paquet de branches de droit qui impliquent là-dedans, y compris des questions sociétales qui entrent dans la constitution. Donc, faudrait-il que c'est y a te prend ça en charge. Là nous garder cadre juridique yo te bay CCI. Maintenant que nous allons méthode de travail. CCI fait une méthode de travail, yo pas commencer à zéro comme on te dit tout à l'heure. Yo te prend temps yo pour y aller ensemble des rapports qui étaient écrit sous constitution 87 là puisque depuis une quinzaine d'années, bon paquet de rapports que l'État haïtien fait sous constitution. Par exemple, on a emblématique mon Cabrani, c'est le rapport de professeur Claude Moïse avec Carl Rector qui était fait en 2007, ou bien rapport de la commission des héritages, également le rapport des États généraux sectoriels et également il y a ensemble des travaux, par exemple Fritz Orvilliers était fait un livre lui-même était coordonné sous dossier livre là, ou bien plaidoyer pour une nouvelle constitution de madame Mylène Maninga. Ou bien la crise haïtienne contemporaine de Claude Moïse, etc. Et puis, il y a un ensemble de travaux sur des points spécifiques de la Constitution que CCI a consulté. Par exemple, ou bien des questions de décharge. Nous connaissons ça comme un problème en Haïti. Puisque dès que finir servir pays, c'est comme si c'est plus gros crime ou de café, parce qu'on servit pays où? Parce que dès que finir dans l'État, ou pas qu'à servir encore. C'est un bail qui est anormal. Donc, CCI a gardé l'ensemble des travaux universitaires, des articles de presse, des articles de journaux qui étaient publiés sous ça. Il a gardé également des éléments critiques de la Constitution, le contentieux administratif, la question supérieure des comptes, etc. L'amendement, la question de l'amendement, CCI a pris ça comme élément d'analyse. Ou bien le système électoral, le mode de scrutin, comment organiser dans le pays. CCI garde l'ensemble des études, des travaux, des articles de presse qui publient sur ça. Les partis politiques, et les institutions indépendantes, la nationalité, le référendum. Maintenant, à côté de l'aspect documentaire, il y a également fait des enquêtes. Il fait des enquêtes et non, c'est des entretiens avec des personnalités, des experts qui travaillent sur la question. Au moins une trentaine d'experts ont été consultés par le CCI dans le cadre de ce travail que ouais, proposé la population l'avant-projet de constitution proposé. Donc, approche documentaire et audition qui ont été faites permettent que vous arriviez avec une conclusion que le régime politique là, il faut que tu gardes. Deuxièmement, la décentralisation. Les droits fondamentaux qu'il faut renforcer, la souveraineté et le citoyen pour mettre au cœur de l'action historique. Donc ça, c'est des éléments que CCI, TCE, ouais, comment à travers l'expérience, à travers l'étude, faire comment on va. Maintenant, à partir des auditions, ça a été fait. Il fait un constat. Le constat, c'est que la Constitution de 1987, jeune constituée, jeune échafaud des institutions, ils sont source d'instabilité. CCI, dans le constat, il arrivait à même constat que le président Préval a fait en son temps. C'est une source d'instabilité. La Constitution, tant que les institutions ont agencé, les repartitions compétences ont fait, les monté, les pensé, etc., il fait problème. Donc, il y a un premier constat qu'il fait, c'est la dépossession de l'élu. C'est-à-dire le président de la République, il est élu au suffrage universel. C'est le seul élu au niveau national. Mais il fait pour pas tomber les rennes, il a fait campagne dans tout le pays. L'est arrivé au palais national dans date 7 février, il arrivé, il va mettre politique ça les discuter avec population il va mettre en application pour qui ça? Il souvent s'il pas une majorité dans le parlement, lui obligé choisir le premier ministre qui pas souvent même ouais en avec dans salle d'affaires. En fait, ensemble de promesses il fait population, il va pas mettre en place parce que vient un exécutif comme dans le mot français bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a des taux qui gondé dans même pari. Ou un premier ministre souvent qui pas nécessairement partager le même point de vue que moun qui dal des élections devant peuple là et deuxièmement ou vinn gon parlement qui gagne un paquet de pouvoir côté que l'exécutif là li affaibli li pas cap délivrer. Donc ça se constitue comme un premier obstacle, un premier moment de constat que CCI fait. Yon nan l'autre constat CCI fait li ou ka li constater émiettement des partis politiques dans pays. Ou pas ka faire démocratie avec 10 000 partis politiques. Nous comme ça que t'est arrivé, nous t'ai gagne une loi sur parti politique qui demande 5 000 dernier parlement. Avant dernier parlement législatif passé là, il réduit à 20 000.
ou ka font parti politique avec moun. Nous créons des ordres, nous pas permettre citoyens ou gagnons lisibilité de l'action politique. Ça sont bagay qui nuisible même au bon fonctionnement des institutions et qui nuit également à la santé démocratique. Il y en a un autre constat que CCI fait, c'est le un parlementariste d'a dit bicaméral. Donc le parlement est bicaméral, ou gagne deux. Mais il y en a un constat qu'il fait, c'est que c'est même corps électoral là qui élit tous les deux. Elle dit que dans l'autre pays, lorsqu'on on parlementariste d'a dit on bicaméraliste, il y a là un parlement qui gagne un sénat et une chambre des députés. Donc il y en a élu. C'est vrai, par le peuple, il représente le peuple là. Par exemple, on prend le cas des États-Unis, la Chambre des représentants, lui représente le peuple là. Et puis, ou gagne le Sénat américain, lui représente les États. Par exemple, si on prend en France, ou gagne l'Assemblée nationale, lui représente le peuple, et le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc, ou gagne, on manque de rationalisation dans le choix des élus qui participaient à la formation du Parlement. Donc là où il y a même corps électoral, donc ils font problème. C'est pourquoi que nous revenons dans une situation que y a du parlementaire, député aussi, en fait, les sénateurs sont des sages, mais où est manque ou recule dans l'action, dans la réflexion politique pour accompagner les décisions fondamentales pour le pays. Donc CCI fait le premier constat, ça, c'est qu'au grand problème, le même corps électoral qui élu deux entités pour le Parlement, ils font problème. Il y en a un autre constat, c'est ce qu'il fait, c'est dysfonctionnement qui découlait des mêmes logiques marchandage pour voter des lois. Parce que pas de rationalité dans le mécanisme des votes, etc. Le travail parlementaire n'est pas rationalisé. Ou un dysfonctionnement institutionnel qui constitue un obstacle même à l'avancement de la démocratie. Donc, dans ce sens, CCI, où on est dans le travail, c'est que un marchandage, ne serait-ce que pour les postes les plus importants du pays, de la diplomatie. C'est pour ça raison, depuis le président Préval, nous, pas jamais un diplomate qui passe devant le Parlement, passe toujours un marchandage pour nommer des diplomates, même dans les postes les plus stratégiques d'Haïti, par exemple, la République dominicaine, l'Europe, par exemple, l'Union européenne, ou bien Washington, ou toujours souvent, ouais, pour ça, aurait été vide, ou bien sont chargés d'affaires. Nous connaissons en matière de relations internationales, chargés d'affaires, ou bien limite, des côtés au parler. Donc, ça constitue un obstacle, parce qu'il y a marchandage pour les postes les plus élevés, par exemple, pour les postes les directeurs des banques, etc., des marchandages, qui nuit également au bon fonctionnement des institutions, qui nuit également à la santé de la démocratie, et constitue un obstacle même à l'émergence d'une Haïti nouvelle. Donc CCI, notre travail, il évoque ça comme problème. Il y en a un autre problème que CCI provoque, c'est la fonction judiciaire, le poste de haute administration. Également, il y a un problème, faudrait-il que nous séparons. Ouais, le président de la République est obligé par l'intervention, si les pouvoirs sont indépendants. Parlement n'a pas lui-même qui a choisi le monde qui voit la cassation, y compris le président de la République là tout. Le président de la République, si vous faites ça, c'est nommé, pour nommer, on liste le monde, que c'est ce que je voudrais pas dire. Donc maintenant, si nous avons une séparation des pouvoirs, la relation harmonieuse entre les pouvoirs, il faut que chaque pouvoir soit dans ce pays, de quel sac on pouvoir. Qu'à bloquer l'autre pouvoir, elle fait des autres. Donc là, on a une structure institutionnelle qui bat problème en pile. Notre troisième constat, et CCI fait dans le rapport là, CCI, ouais, la décentralisation n'a pas été accompagnée par un mécanisme de transfert de compétences. Ah oui, tout le monde a parlé de décentralisation dans le pays. Et je pense que c'est une belle avancée, une belle conquête en termes d'idées politiques. Parce que moi, je crois que Haïti, c'est un État unitaire, décentralisé. Faudrait-il que les édifices institutionnels des collectivités territoriales, ils aient des compétences, ils aient des moyens en main, pour assumer la mission sacro-sainte pour permettre que participation faite à travers les prises de décision normalement qui concernent les mounions, c'est-à-dire les activités de proximité, il faut qu'ils aient des moyens pour faire ça. Même là encore, nous parlons avec 7 organes. Et au niveau des collectivités territoriales, avec 3 niveaux, il y a un problème. Donc l'édifice institutionnel en lui-même, il y a un problème. Et il y a un ministre qui a plus que 6 000 élus pour dans l'élection pour voter sous le même majorité. Donc on est pays à pas un pays qui est pauvre. Nous sommes pays pauvres. Moi-même, je connais que faut faire politique, mais également, la nation également tout. Il y a besoin des autorités responsables qui ont des visions, qui ont des talents également pour prendre des décisions en main. Mais toi, tout poste pays n'a pas qu'à poste politique, mon Dieu. Donc nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons besoin des hommes d'affaires, nous avons besoin des artistes, nous avons besoin des hauts fonctionnaires, nous avons besoin des artisans, etc. pour faire payer à marcher. Mais la politique, pas cap, je dois observer dans la politique des matières, vous retournez dans votre entreprise, vous voulez le travail commencer, etc. Ou pas cap faire comme carrière toute vous vie, ou pas cap pour une équipe de faire ça, mais il faut dire qu'il ne faut pas faire parce qu'on force pour faire. Il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'il n'y ait pas seulement une seule voie. Donc un pays qui a seulement une seule voie, c'est un qui ferme les portes de réussite pour sa jeunesse. Donc dans ce sens, le plus important pour nous, voir comment que nous cabrer ensemble.
la charpente de la société qui est le texte constitutionnel. Maintenant, l'autre bagaille que CCI est constaté et dans difficulté également pour respecter le calendrier électoral, nous toujours un problème et, entre le calendrier électoral et le calendrier constitutionnel. Pour qui ça? Parce que pendant le président arrivé, pendant 5 ans, au moins, il faut faire 7 à 8 élections pendant le mandat. Là. Et nous, on est culture politique, la cabane, nous commençons. Depuis que l'élection, c'est des autres. Donc maintenant, on vient qu'on a une instabilité chronique dans le pays, on ne peut pas faire des actions de développement. Donc ça, c'est ensemble de constats que CCI fait, il est que bah, ils sont constitués, ont une instabilité institutionnelle chronique dans le pays. Et puis, depuis 30 ans, nous, c'est ça lié, effectivement. Mais quelles sont les conséquences? CCI, dans le rapport fait là, il rend compte que échafaudage institutionnel, là, modalité de fonctionnement et interaction entre diverses entités dans l'État, crée au sommet un conflit permanent. Ah oui, ça c'est très grave. Au plus au sommet de l'État, il y a un conflit permanent. Donc, exécutif, parlement, etc., et judiciaire en conflit, donc on n'est pas capable d'avancer. Donc, ça crée une difficulté énorme pour permettre le pays d'avancer. Donc, dans ce sens-là, ils pensaient qu'il y a des sabotages, puisqu'il y a des blocages tout le temps, des sabotages, des intérêts fondamentaux de la nation. Ah oui, très important. Là, vous ne pouvez pas voter un budget, vous ne pouvez pas payer un budget pour voter tête-là, et pour fonctionner. Donc, vous créez des problèmes sérieux, puisque le fait que, je dis, il y a 25 écoles pour me construire dans l'année 2010, par exemple, si je prends l'année 2020, par exemple, il y a 25 écoles pour me construire dans NIP. Et puis, bon, je viens construire l'école, non, en 2022, je viens de budget, pas bon budget. Donc, le même budget 2022, ça, ou du mal fait artifice, même budget reconduit. Un pays qui accepte pour le reconduire budget, c'est un pays qui est condamné pour regarder seulement le passé, il va regarder l'avenir. Moi, je crois qu'une nation, une grande nation, doit inventer l'avenir. Inventer l'avenir avec les actions des hommes de l'histoire. Donc, c'est sans ça que, aujourd'hui, CCI, un document, je crois que c'est son œuf. Elle humaine n'est jamais parfaite. On a critiqué lui et garder ça bon là-dedans. Moi, il y a un peu de monde qui participe. Mais c'est le bail qui vous dit, faut dire ça, texte ça dit, pas dit ça, pas dit. Parce que c'est très important pour tuer le mouvement de la pensée. Souvent, nous prêter un texte des idées qu'elle n'a pas développé. Donc, moi-même, je viens pour nous faire un travail pédagogique. Moi, je suis enseignant. Ça, c'est pas le politicien qui est là aujourd'hui. C'est un travail pédagogique pour nous aider la population à comprendre quels sont les enjeux et pour le pays. Parce que tout haïtien, qu'elle soit cotoyée, qu'on en diaspora, qu'on en Haïti, nous avons un pour petit, nous avons l'école, une université qui a marché très bien pour l'école. Et pour le jeune travail, il est obligé de partir pour quitter le pays, pour gagner la sécurité, pour gagner la stabilité dans le pays, pour voyager, pour éviter les désordres, etc. Participer même à l'effort collectif pour gagner la stabilité dans le pays. Parce que la stabilité, c'est une œuvre collective. Pour chaque citoyen, pour faire papa, responsabilité pour le pays aller de l'avant. Dans l'autre bagaille que élément que CCI garder, c'est-à-dire configuration institutionnelle pays a fait problème. Lui mandé dans rapport li par mettre de constat ça yo, faut d'ailleurs un changement de constitution. Parce que l'on regarde l'ensemble des constats que CCI fait, bah on va pas marcher. Indépendamment de la bonne volonté des hommes. Moi tande gen pile monde qui dit oui, c'est moun yo pas bon non, mais souvent kay ka la mal construit. Même l'on te gen pi bon carbone là-dedans, l'a coucher, l'a combien mal parce qu'elle a mal construit parce qu'elle souvent. Donc, il faudrait que nous mettions les choses à plat pour nous permettre de payer à l'aide de l'avant. Donc, que propose le comité qui travaille sur la Constitution? Il propose un projet, un avant-projet de Constitution. Voilà, un avant-projet. Moi, je crois que le texte est disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tout le monde a regardé. Le texte, c'est le texte CCI proposé. Il y a une version créole là et une version française là, non, c'est le document. Moi, je crois qu'il faut ça, c'est un effort qui mérite apprécier. Parce que avant, le texte 87, nous avons eu un qui était en créole, un qui était en français. Là, au moins, il y a innové. Il y a même document, il y a la version créole et la version française. Donc, tenant compte de toutes ces difficultés, le comité et consultatif indépendant mis en place par le décret du 28 octobre proposé dans le travail IA et pour répondre à trois grandes préoccupations. Trois grandes préoccupations. Première préoccupation, normalement, ça a été demandé et dans le décret, c'est consolider et renforcer le socle des droits fondamentaux. Ah, c'est fondamental ça. C'est fondamental. Moi, toujours dit, un pays, ça, je reprends ça des révolutionnaires français, un pays qui n'a pas de dans le qui côté constitution ni droit de l'homme pas présent et pouvoir pas séparer pas de constitution. Eh bien justement, donc moi je crois que la constitution c'est la rencontre de l'État et de la nation. Faudrait-il que les libertés et autorités font qu'à concilier. Donc c'est dans ce sens ça, CCI
dans le premier travail, il y a, pas meilleur qu'on s'en fait, il proposait pour renforcer les droits fondamentaux et consolider. Pour un pile bagaille qui nous déjà, qui fait partie de notre patrimoine politique, de patrimoine universel, et pour renforcer. Donc, la mobilisation optimale de toutes les ressources humaines. Ah oui, ça c'est fondamental. Donc, on est que si vous avez un problème qui est un pays aujourd'hui, il y a là, après 10 mois, sous chaque discipline, vous avez cherché à rejoindre, vous avez besoin de performance. Donc, au pays qui n'a pas développé pour ne pas gagner un cohésion d'hommes compétents, des éléments d'élite, pas dit des éléments intermédiaires, non, mais des éléments d'élite qui cabrivent nos côtés pour orienter le pays à une trajectoire historique prometteuse pour tous les gens qui vivent là-dedans. Donc, CCI m'a dit que dans ce sens, la mobilisation de toutes les ressources humaines, financières et économiques pour impulser le développement national. Ah oui, ça c'est fondamental. Impulser le développement national. Et mobiliser les ressources humaines. Donc, on est en pile, nous avons un rapport Banque mondiale depuis quelques années qui fait état que, puisque 80% est l'intelligence haïtienne ni à l'étranger. Donc, son pays qui a financé le développement des pays riches. Autrement dit, tous les investissements qu'on a fait au cours de ces 50 dernières années en matière d'éducation, de l'enseignement supérieur, donc c'est financé dans les pays riches. Donc, c'est pourquoi que CCI, dans le rapport-là, il a rendu compte qu'il faut mobiliser toutes les ressources humaines, toutes les ressources financières, les ressources économiques du pays pour le développement national. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de ressources humaines. Donc, ça permet, pour faire ça, CCI, notre travail, il est obligé de redéfinir les règles sur la nationalité. Parce que nous connaissons un grand pile de monde dans la diaspora, pour une raison pour une autre, qui a d'autres nationalités, pour texte qui ont été là, pour une raison pour une autre, depuis 1986, nous avons été quatre en pile là-dedans dans les affaires du pays. CCI pensait que nous besoin, le pays, pour se développer, pas seulement besoin des politiciens, on en a besoin, et des grands hommes politiques, des grands hommes d'État, mais on a besoin des grands scientifiques, des grands chercheurs, des grands poètes, des grands professeurs d'université, pour nous faire dans cette réussite collective pour la nation. Moi, je crois que ça, c'est fondamental. Donc, dans ce sens-là, CCI m'a dit pour mobiliser tout ça. Et ça le permet lui pour le faire ça, donc lui est obligé de redéfinir les règles sur la nationalité qui est prévue dans la Constitution. Lui fait place également aux femmes. Oui, une place est accordée à la femme haïtienne. Donc, on a un paquet d'associations féministes qui font un paquet d'efforts dans le pays pour aller comment faire l'émancipation de la femme. Pas seulement pour faire politique, mais également dans le crédit, dans l'activité éducative, et dans les activités de protection de l'environnement, etc. Mais si occuper ça tout comme citoyen, à part et pas un citoyen intégral pour participer dans le devenir de la nation. CCI fait place avec eux. Les handicapés ont place faite avec eux. La jeunesse, ah, plus de 35% de population a gagné, plus de 60% de population a gagné moins de 35 ans. Donc on place énorme et réservé à la jeunesse pour non seulement accéder à des postes électifs, parce que c'est fondamental, parce que moi je crois que on ne peut pas développer un pays avec un système géontocratique. On a besoin des jeunes femmes, des jeunes garçons également qui talentueux, qui sont animés par une idée de bonne volonté pour voir comment on va changer, mettre les mains à la patte pour changer le pays. Donc on place énorme et réservé à la jeunesse, à la femme, aux handicapés, etc. Également, et CCI, dans le travail, il fait à tout, il pense que le légalement pour nous permettre de déverrouiller le crédit dans le pays. Parce que nous avons dit qu'une constitution, ce n'est pas seulement les droits politiques, mais il y a les droits économiques qui doivent être exprimés au niveau des textes constitutionnels. Eh bien, dans le travail, CCI fait à pour nous comprendre que l'État pour déverrouiller le crédit. Et dans ce sens-là, et crédit, nous connaissons parfois, nous connaissons un taux d'usure qui est vraiment difficile. Eh bien, comme ça se fait dans tous les pays, dans toutes les sociétés démocratiques, eh bien, il y a toujours un taux d'usure national, même si il y a des variations. Mais nous connaissons à partir d'un certain seuil, tenant compte de de taux de croissance pays, il y a un seuil qu'on ne peut pas rembourser. Donc, l'État est obligé de veiller ça. Vous voyez comment que petit malheureux qui a prêté crédit dans le pays, comment que au moins le taux d'usure, pour nous voir chaque année comment que nous avons fixé le CCI, il m'a dit ça dans le texte. Également, CCI dans le document dans tout pour cette mobilisation des ressources économiques, des pratiques anticoncurrentielles. Eh ouais, je dis à la où nous faisons business, bon l'autre adversaire vous aider tout et puis comme si rien n'était. Eh bien, dans le document moi qui que m'a regardé dans le nom, moi j'ai une autorité de la concurrence qui pour permettre au grand ordre public économique de sorte que pour nous gagner et travail au fait pour règle
de la concurrence respectée pour moun pa gonti cousin ou onti fo wa bal contre l'état à leur côté moun ki pi bon pa li passé faut finir à faire ça le système nous d'accord des systèmes pesé sous c'est ça qui nous pays a puisque l'aime pa gen concurrence les concurrences les jeux de la concurrence yo pa pas fait ou bien forcé donc moi handicapé l'avenir pays a parce que m'pa permettre les jeunes des bons projets m'pa jeunes les hommes talentueux les hommes vertueux pour travailler à la réussite collective de la nation donc dans sens ça CCI font travail pour comment ka avancer. Moi quoi tout, il y en a l'autre préoccupation qui guidait l'action du CCI, le Comité consultatif indépendant. C'est l'efficacité des pouvoirs de l'État. Ça c'est fondamental en matière de gouvernance politique. On pays pas capable marcher si des blousards tout le temps. C'est comme si des blousards viennent de la culture dominante en Haïti. Moi, j'ai dit toujours que depuis quelques années, le pays devient de plus en plus chrysogène et criminogène. Chrysogène, on aime la crise. Si la crise n'est pas là, on doit l'inventer. On est criminogène, on peut vous tuer pour la vérité, parce qu'on veut faire quelque chose pour votre pays. Mais un pays qui n'a pas des hommes talentueux, des hommes sérieux, ou bien c'est le bas de l'avant, on a vu le vagabondage, ce sera donné. C'est l'éclatement du tissu social, et l'éclatement de la, du grève national. Donc, CCI tenait compte des paramètres ça, dans le travail à faire. Donc, pour l'efficacité des pouvoirs publics en matière de gouvernance politique, économique et socioculturelle. Oui, nous avons des problèmes sérieux, on a vu l'université. Écoutez, matin, je regarde un document et on paye Congo, Congo Kinshasa. Et des professeurs haïtiens, dans les années, il y a plus que 60 ans, qui étaient allés former les élites dans ces pays. On n'a pas vu les pays africains pour ne pas quitter nous. Regardez l'ensemble, vous pouvez regarder, ne serait-ce qu'en Haïti, regardez nos organisations internationales. Non, qui est-ce qu'il a dedans? Les Africains, ils ont constitué, ils ont participé à la formation d'une élite mondiale. Nous-mêmes, nous avons fait ça. 60 ans, nous faisons bac. Nous faisons marche arrière, ou refuser de réformer l'université. Chaque temps, nous jouons deux paquets de crises inventées ou imaginaires pour ne pas réformer l'enseignement supérieur. Alors qu'on a eu des grands scientifiques dans ce pays. Moi, j'ai eu des meilleurs professeurs. Nous sommes, j'ai l'habitude de la faculté d'éthologie, la sociologie. Moi-même, j'ai eu des professeurs souffrants, ou des hommes valables, avec son canal, n'importe université dans le monde. Il y a plein d'autres pour enseigner. Maintenant, on doit réformer notre université. On ne peut pas faire cadeau à la jeunesse, une formation rabais. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quelqu'un, il n'y a pas la culture, on devient violent. C'est pourquoi il y a la violence sous en Haïti, parce que la culture est en retrait. Donc, au pays qui veut avancer, on doit faire la promotion de la culture, l'intelligence, l'intellect, la réflexion. Donc, CCI est pensé à ça, parce que moi, je crois que le pays a formé des générations et formidables. Hein? Parce que moi, je reconnais, pas seulement au niveau des romans ou bien des poètes, on a formé des grands scientifiques. Écoutez, là encore, j'ai pensé à professeur Wilfried Tenard, des hommes haïtiens qui ont formé la faculté d'agronomie, y aller dans les pays étrangers, faire des formations, etc. Des scientifiques haïtiens. Nous avons besoin de former des scientifiques, des grands gestionnaires, des grands ingénieurs qui peuvent participer à la réussite collective. Un pays, pas qu'à prêter tout le temps, c'est chaque jour ouvrir la radio, c'est les bandits seulement à parler dans le pays. Ce n'est pas possible ça. Ça ne fait pas le rêve de Dessalines, ça ne fait pas le rêve de Christophe, ça ne fait pas faire honneur à nos pères fondateurs de la nation. Parce que moi, quoi qu'un pays, il faut que nous allions de l'avant. Et ça, son bail fondamental que CCI, pour nous tenir compte, parce que dans ce décor, je dirais, chaotique, il y a l'émiettement de l'offre politique. Ça, c'est fondamental. Il faut nous apporter une réponse à ça. L'émiettement de l'offre politique. Eh bien, bon, les partis politiques. On nous a dit que, non, au début, chaque 20 minutes et chaque 20 personnes qui font parti politique. On paye sérieux. Pas qu'à penser que 20 personnes qui font parti. Il n'y a pas de problème. 20 personnes qui font association. Mais un parti politique qui peut partir à la conquête du pouvoir de l'État. Vous comprenez, il faut chercher l'adhésion, il faut gagner des discussions dans le parti. Le parti politique, c'est une école de formation civique. Il faut former les citoyens, il faut former des militants, il faut avoir une base idéologique pour que d'ici, est-ce que c'est gauche, c'est droite. Nous, depuis quelques temps, nous arrivons dans le pays, tout le monde c'est gauche, tout le monde c'est droite. Mais il y a des courants paradigmatiques en politique. Quelle soit la pensée politique, qui s'anime, ça c'est fondamental. Donc, soutenir l'action gouvernementale, parce qu'on ne peut pas soutenir l'action gouvernementale, quand on a un parti politique, si on ne peut pas organiser.
Et c'est pourquoi que nous toujours plaît tout le temps que parti politique, nous n'avons pas qu'être parti politique, mais en dans parlement, le plus souvent, l'élu se représente, il ne représente pas le parti. Alors même si nous avons une loi qui dit le vote appartient au parti, nous avons côté de un sénateur qui a quitté l'album poste dans le pouvoir exécutif, l'autre parti n'est pas d'accord. Alors que nous avons voté loi. Donc nous avons un problème. Donc maintenant, pour parvenir à la constitution des grands partis politiques et garant de la stabilité politique à long terme, et des dispositions sont prises à travers le mode scrutin. Oui. CCI pensait que pour venir avec un système, une élection en seul tour. Donc, on est jeune de gain là, donc, et nous avons une élection à deux tours. Donc, ça, il y a un avantage. Un avantage, d'abord, un avantage financier pour les partis, y compris pour l'État, qui a financé les partis politiques. Mais deuxième temps, il permet aux partis à rassembler pour venir dans l'offre électorale là. Et là encore, des dispositions sont prévues dans les textes pour partis qui arrivent au moins qui fait 10%, il y a remboursé, on va connaître, ça dépend du mécanisme qui a exilé, il y a remboursé au frais électoral. Donc, CCI proposait dans le document pour nous passer au Parlement en seule chambre, en monocaméral. Je dis, nous avons un système bicaméral, il proposait pour venir avec un système monocaméral. Même si nous connaissons que il y a plusieurs monde qui pensaient que faut que nous ayons un Sénat, il y a plusieurs offres, il y a des gens qui pensaient que déjà, un, le constat a été fait par CCI, vous reconnaissez que c'est vrai, c'est que c'est même quoi l'électoral qui a voté tous les deux, ou qu'il y a un Sénat qui n'est pas élu directement par le peuple, qui a représenté les collectivités territoriales, ou bien les forces vives de la nation, les syndicats, ça je vois dans les autres pays, et les associations de la société civile, vous voyez par un système représentatif, vous voyez les gens qui représentent un Sénat qui devient encore de ça. Là encore, le débat n'est pas enclos, mais je vois que les débats qui se font actuellement et au niveau de la société. Donc, dans la logique, ça, que, faut que nous, le fait que nos mécanismes de rationalisation, on n'a pas un parlementariste rationalisé.